La tête en bas, il n'y a rien là. Les jaunes doivent être les urbecs. Les gros becs errants, ils doivent être à veille d'arriver parce que c'est leur heure d'habitude. Comme l'impression que ils doivent être dans le coin. Je les vois pas dans les arbres. D'habitude, c'est leur heure, là. Ils vont tout bien arriver tantôt. Ah, il est parti. On va essayer de les filmer proche, 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 ouais. Les petites mésanges sont moins peureuses. Je vois un peu de bois là-bas dans l'arbre. Je ne suis pas capable de le montrer. Je ne sais pas si vous le voyez. C'est évident. Les oiseaux jaunes, on n'a pas d'arrêt là. Il y a de là, ouais, bien des mésanges. Ouais, il y a bien des mésanges, mais il n'y a pas de. Il n'y a pas de gros bec. Hein? Qu'est-ce que vous faites? Ouais. Quoi vous faites? C'est plate, la caméra, vu qu'il y a beaucoup de lumière blanche en arrière, je ne suis pas capable de. Hein? T'es quasiment sur. Quasiment sur le cellulaire. Hein? Oui. Faudrait qu'il vienne se bosser. Qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce que vous faites là? Vous mangez? Bien. Oh, ouais, si jamais vous le piquez bois encore à l'autre bout, là, ça branche là. Attends là, voir s'il a trouvé. Il est où là? Ah ben ok, il est en train de monter dans l'arbre là. Il est en train de monter en haut là. Et il monte là-haut. On l'a vu bouger sa caméra, je sais pas si vous autres l'avez vu, là. Bon, on va attendre que mes gros becs errants s'en viennent, là, mes gros becs jaunes, mes roux, là, fait 2 jours, je les ai pas vus, je sais pas où ce qu'ils sont passés, là, mes durs becs des pins, fait 2 jours, je les ai pas vus, là, je sais pas quel bord, là. Ils vont revenir, j'imagine. Les jets bleus aussi, les jets bleus, je les ai vus, là, 3, 4 jours, je les ai pas revus. Oui, ils ont d'autres mangeoires, je sais pas. Là, il y a une œuvre sur le bord, là. Sur le bord, là, je sais pas. Oups. Lui, il est jaune, un petit jaune, là. Je cherche le nom, là. On le voit mal, là, mais en tout cas. Et que c'est ça. Je vais vous les montrer.
Si jamais là, ils reviennent, si mes gros becs errants là, reviennent, là, ben, on va sortir la caméra, on met ça en direct. Salut tout le monde. Ouais, ils sont repartis dans le sud, ça doit être ça. Salut. C'est pas qu'un petit paquet d'oiseaux un matin. Je sais pas si c'est parce qu'ils trouvent pas de nourriture ailleurs à cause de la neige, mais sacré fils qu'il y en a un matin. Les jets bleus ont venu tantôt, les mésanges après. Là, c'est encore les jaunes. Je suis obligé de me coller dans la fenêtre, sinon c'est sûr que ça les rend un peu heureux, un peu. Je suis rentré près, puis ils me voient au travers de la fenêtre. Ça fait beau, la neige. Je sais pas si vous voyez bien la couleur jaune des oiseaux. Quand il y a une paire de lunettes, demain autour des yeux, là, ça c'est les mâles. Hop, là, un pic-bois après mon gras. Ah là, je viens de m'apercevoir que mon autre rack est vide. Il va falloir que je le remplisse. On va faire ça tantôt. Ah, un jet bleu. Je ne sais pas si vous avez eu le temps de le voir, mais il a passé vite. Ah, il est là. Essayer de se positionner, mais je suis tellement prêt que c'est normal qu'il pleure. Allô Marie, j'espère que ça va bien. Ben, en tout cas, je suis sûr que ça va bien. Je lis tes posts là, régulièrement, là, puis ça a l'air bien aller tes affaires. Là. Fait que, lâche pas, ma belle. Ah, ben, ma belle Céline qui est arrivée. Oui, Céline, c'est plein d'oiseaux un matin. Ben oui, c'est bien, bien plein d'oiseaux. Je sais pas si tu réussis à les voir, là. C'est sûr que, vu que c'est très, très éclairant en arrière, ça rend mon image noire en avant. Mais en tout cas, c'est pas qu'un petit paquet d'oiseaux un matin. Hey, que c'est vous à regarder ça. Là, je dis à matin, depuis tantôt, là. Je me couche tard. Je me couche tard. Et je me pense le matin longtemps quand, après m'avoir réveillé. Moi, méchant garçon. Ouais, il se paye la traite pas mal. Là, ma nourriture est baissée de moitié. En haut, il faudrait que je la remplisse. Bon, il en reste encore assez, c'est pas un problème. Là. Là, c'est celui d'en bas, par exemple, mon rack d'en bas qui est vide. Lui, il va falloir que j'en mette un autre. Là. On va faire ça tantôt. Quand ils sauvent tout demain d'un coup sec, c'est parce que j'ai voulu m'approcher de la fenêtre, puis mettons, ça commence à être proche pas mal. C'est quasiment comme si je les toucherais. Il y a eu un qui disait, ouais, c'est ça le zurbec des pins. Il y en a un qui a dit tantôt que le patio était plein de neige. Ouais, le mien aussi est plein de neige. Il n'y a pas rien que mettons, le patio en haut aux autres, là, une méchante boule de neige, là. Fait que c'est ça que je voulais vous montrer. Fait que, encore une fois, bonne journée tout le monde, puis on en reprend ça une prochaine fois. Bye bye. Merci pour les petits cœurs, les petites mains. C'est le fun de voir passer ça. Oh, attends. Oh, c'est valable. J'ai été bougé, puis c'était le fun de voir le pic-bois en train de... Bon, moi, ce que je vais faire, je vais y mettre un... Je suis capable d'ouvrir ma fenêtre, par exemple. Parce que là, il y a tellement de neige que je ne suis pas sûr d'être capable d'ouvrir. Fait que je vais lui mettre un peu de gras en bas, là, parce que là, il est vide, là, celui du bas. Ah ben, bye bye, à la prochaine. Oh, les petites mésanges. Là. Vu que les gros sont partis, les petites mésanges commencent à venir.
Ils viennent tout le temps par gang. Soit que c'est un paquet de Durbec des pins ou c'est des gros becs errants ou ouais, là, les jaunes, là, c'est les gros becs errants, ça. Et puis quand ils sont bleus, c'est des jets bleus. Les petits, c'est des mésanges. Puis souvent, il y a des piquebots là dans mon gros, là. Fait que c'est ça qui est ça. Fait que bye bye. À la prochaine, je vais mettre mon gros dans celui d'en bas, là. Ciao. Qui viennent, puis là, parce que m'installe à les prendre en photo, ben pas en photo, en vidéo, les émissions. On va prendre ça plus tard, donc on va venir. Au soleil le matin. Ils sont là dans les arbres, là. Pas si les voyez, là. Hop, ils sont tous partis. Ah, il en reste un. Il en reste un, là. Il y en a peut-être d'autres, là, mais en tout cas, il y a lui, là. Malheureusement, ils viennent de partir, fait que. Parce que on voit la trail. Ça, c'est la trail que les chats font pour aller se cacher en dessous du cèdre. Puis quand que les oiseaux ils allaient manger les graines de tournesol dans le cèdre, c'est là qu'ils sautent dessus et qu'ils attrapent les oiseaux. C'est surtout les petites mésanges qui attrapent là. On voit aussi le matin, c'est plein de graines à terre. Fait que regarde, on voit toutes les pistes que les oiseaux font pour manger les graines qui sont tombées à terre. Le gras qui est là, je l'ai mis hier, je pense. Ou avant hier. Crème, il en reste quasiment déjà plus. Hein. Elle dit qu'il bouffe. Il n'y a pas que les chats qui bouffent, mais les oiseaux aussi bouffent. Il y a une méchante bosse de neige sur ma mangeoire, en tout cas. La trail, j'ai tout obligé de faire pour aller au poulailler. Le chat vient de partir, hein, je crois. Je crois qu'il est venu manger. Ouais, il est venu manger, il reste quasiment plus de nourriture. L'après-midi, il va tout bien continuer à déblayer un petit peu, là. C'est la montagne de neige là qui a été poudrée. Fait que, hop, le chat, il s'en va au poulailler. Va pas manger mes poules, toi. Ouais, ah ouais. Il va faire le tour à droite. Il y a une trail, là. Là, on la voit pas, là. Hop, il y a une trail à droite. Il passe en arrière du poulailler. Je sais pas si on va le voir passer. Ah, il doit être déjà passé, on le voit plus. Ah non, il est juste sur le coin. Hein. Okay, il est encore là en arrière, là. Ah, idiot, là. La trail est là, en arrière. Fait que c'est ça qui est ça. Fait qu'on va reprendre ça. Mais il y a des oiseaux, là. Alors là, j'ai manqué ma chatte. Il a fallu me prendre tout le bonheur. Bye bye.
Les gros becs errants sont parvenus. Tantôt, j'avais les jets bleus. Hier, j'ai eu les tourterelles tristes. Là, il mange du gros en bas, là, celui que tu vois, là, que... Mais les gros becs sont pas capables de manger de gros au travail du grillage. C'est pour ça que j'en ai mis un à plat. Là, à plat, il est capable, mais le bec est trop gros, puis il passe pas au travail du grillage. Alors, seul pic-bois qui est arrivé, c'est le gras, là, lui, il a pas de misère. Il a le bec tellement long, là. Ouais, gagne-nous une tourterelle triste, là. Celle là, complètement à droite, là, c'est une tourterelle triste, ça. Beaucoup plus gros que les autres, là. Il était venu hier. Il n'avait pas revu aujourd'hui. C'est la première que je vois aujourd'hui. Mais là, on les voit bien parce que le soleil, il est ce bord-là, là. Fait que c'est pour ça. Si ça peut m'en virer, on va la voir, la tourterelle, comme il faut. L'autre qui mange le gras en bas. Ils peuvent bien vider les mangeoires à la quantité qu'ils sont, là. Quand je suis zoomé bien, bien gros, c'est dur de ne pas bouger. Ça shake un peu. Normal, je tiens le cellulaire là, à bout de bras. C'est pas évident. Lui, il fait une gymnastique du colline pour être capable de manger au travail du grillage. La tourterelle est encore là. Si le grillage peut virer, on va tout de même la voir. Elle vient de la perdre encore. On va essayer de m'approcher, ouais. Oh, je viens de perdre lui. On va essayer de s'approcher de la tourterelle. Oh, et voilà. J'ai réussi à y faire peur. Bravo, Robert, bravo! Bon, ben c'est ça. Fait que c'est assez. Bye-bye! Encore une fois. À moins qu'il arrive de quoi de spécial. Ciao! Et si voilà, il y a un gros morceau qui vient de rentrer dans le boquette. Il doit avoir mal à la tête à l'envers de même. C'est pour s'agripper, ça sent bon. Il supporte quand même peut-être son poids, le vieux, là. Non, j'ai fait peur à tout le monde. C'est à toi que je parle. Je parle à tout le monde qui regarde la vidéo. Bon, je viens de faire peur encore. J'ai essayé d'approcher, puis hop, toute la gang est partie. Oui, revenez. Non, Pépou est revenu.
Si je voudrais faire du gras comme ça, là, moi j'achète, là, mais gardez votre gras de bacon, et vous mêlez ça avec des petites graines, puis vous faites un carré avec, vous organisez pour accrocher le carré, là. Pas mal plus plaisant l'hiver avec mes oiseaux. Fait que ça, c'est en direct actuellement. Donc, il est 11h12. C'est le bois, là. Le papier est à l'endroit. Il n'est pas tout le temps à l'endroit. Là, je suis tellement proche qu'aussitôt que je bouge, là, les oiseaux se sauvent. C'est pour ça que j'ai de la misère à voir mes oiseaux. Ah, c'est bon, je vous donne. Des gros becs errants, les jaunes. Les urbecs des pins sont rouges, les jets bleus ben, sont bleus. Ceux qui ont comme une paire de lunettes en haut au-dessus des yeux, c'est des mâles. Ceux qui n'ont pas ça, c'est des femelles. Comme ça, c'est deux mâles. Comme une barre jaune au-dessus des yeux, là. Arrête de gaspiller, toi. Il n'y a pas de petite garoche à terre. C'est pas ce que vous mangez qui coûte cher, mais qu'est-ce que vous jetez à terre? Que vous mangez pas. L'autre, il système tout le temps. Ils veulent pas que les autres boivent. Faut pas qu'elles bougent beaucoup, que ça les fait sauver. C'est sûr que c'est tellement proche. Hein. Comme là, je suis peut-être à 30 pouces à peu près des autres. Hein. Quand je suis collé sur la fenêtre, c'est à peu près à 10 pouces. Ils n'ont pas lâché ben aujourd'hui. La gang, ils se battent eux autres. Arrêtez de vous battre. Je te dis, moi. Ça se bat, il y en a pour tout le monde. Arrêtez de vous battre. On va essayer de m'approcher encore. Hein. Tranquillement, pas vite. C'est quoi? Un bec ben long, ça va bien qu'on appelle. Les gros becs sont pas capables de. Ben, sont capables, mais ils ont ben de la misère pour aussi le bec au travers du grillage. J'essaie de pas faire ça, mais quand je suis zoomé comme ça, là, c'est pas évident. Les voit bien, ils sont bien éclairés, ça va bien. Bon, c'est assez. Je vous laisse là-dessus. Bonne journée tout le monde.